Service à la population, on vous présente la place du village. C'est pareil, monsieur de Paris, je te dis que ça soigne des pieds à la tête. Oui. Même des paysans aujourd'hui, ils sont allés à l'école, ils leur disent même plus qu'il faut traire des vaches. C'est catastrophique, où c'est qu'on va? Et la liberté, la liberté. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission de la quotidienne de la place du village. Nous sommes le mercredi 2 novembre 2022. Vous êtes les bienvenus après un petit repos hier en raison du férié du 1er novembre. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en direct sur Facebook et sur YouTube en simultané en ce mercredi pour 40 minutes d'évasion en Savoie-Mont-Blanc, une émission 100% locale à travers nos pays de Savoie avec bien entendu tout l'ensemble donc de l'équipe de la place du village. On vous emmène comme tous les soirs visiter et découvrir de ce qui se passe dans vos villes et dans vos villages, donc une émission 100% local, avec bien entendu l'agenda des sorties à ne pas manquer donc durant cette émission, la story du jour, vos vidéos que vous nous identifiez sur Facebook et sur Instagram. On aura également les prévisions de la météo tout à l'heure, donc à 19h50, et des reportages à découvrir comme chaque soir de la part de l'ensemble de l'équipe. Ce soir donc dans cette émission de ce mercredi 2 novembre 2022, on va regarder justement donc le sommaire. Ce soir donc dans la place du village, et ben on vous emmène justement donc dans un refuge ce soir avec justement donc un beau reportage de Ed Elves et de Alain Molo, et vous dirons tout justement sur donc ce refuge du côté de la Savoie à Aix-les-Bains. Un très très beau reportage, très touchant à découvrir donc dans quelques instants. Et puis on ira également dans un très beau château ce soir dans la place du village avec le château du Moyen-Âge, le château de Miolan du côté de Saint-Pierre d'Albigny. Donc un très beau reportage, une belle visite réalisée par donc Alain Molo à retrouver donc dans cette émission. Et puis on aura également de la musique donc durant cette émission avec de l'accordéon ce soir, Montagne du Bugey, une très belle chanson avec Sandrine Guillou accompagnée à l'accordéon par Jackie, sur des images donc de Jean-Noël de Paris qu'on retrouvera donc tout à l'heure donc dans cette émission. Et puis on aura également notre rubrique donc les stories du jour de la place du village, vos moments que vous nous avez partagés durant donc ces dernières 24 heures. Et puis enfin on terminera l'émission avec Cocktail des montagnes ce soir dans la place du village pour finir cette émission avec un peu de musique et d'accordéon. Justement c'était lors de la fête d'automne du côté de Albertville il y a quelques temps, donc on se quittera avec eux donc pour finir donc cette émission de ce mercredi tout en musique, bien entendu vous avez pris l'habitude donc dans cette émission. Voilà donc pour le sommaire donc de cette émission de ce mercredi. Restez avec nous, des reportages à découvrir tout de suite à 19h04 en ce mercredi 2 novembre. On commence justement cette émission par un premier reportage réalisé par nos deux correspondants Ed Elves et Alain Molo, justement l'histoire émouvante de Sky le chien. On va se rendre justement du côté de la Savoie, du côté du refuge Les Amis des Bêtes, du côté de Aix-les-Bains en Savoie. Justement, donc un beau reportage, justement, regardez ce refuge qui s'occupe des chiens souffrants parfois ou même abandonnés. Je vous propose de retrouver un reportage assez poignant, donc réalisé par Ed Elves et Alain Molo. Regardez. Voilà, tranquille, on fait la pause.
Pardon, Lou. On s'est énormément mobilisé, tout le monde le sait. C'est un chien qui a attiré beaucoup de compassion et c'est bien. Par contre, Sky souffre d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Vogler, associé à ses multiples problèmes d'articulation qui ont été opérés avec succès d'ailleurs. Mais le problème du syndrome de Vogler, c'est une compression des cervicales. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, vous l'avez filmé, il a des difficultés à la marche et malheureusement, ça s'aggrave de jour en jour. C'est-à-dire qu'avant, on le portait, il marchait de là jusqu'au portail. Depuis le début de la semaine, on peut bien dire qu'on est obligé de le porter. Alors, beaucoup disent, c'est parce qu'il y a trop de piscine. Non. En fait, la piscine, vous l'avez sans doute constaté, c'est le seul moment où Sky, il est détendu. En fait, il n'a plus à supporter son poids. C'est mes collègues qui s'en chargent et l'eau, bien sûr. Mais il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes extrêmement pessimistes.
Donc je répète, cette maladie, c'est le syndrome de Vaubler. Intervention des cervicales impossible, hein, c'est quand même extrêmement lourd comme intervention et tout à fait hasardeux. Donc on va voir ce que l'on peut faire. Mais là, je dois dire qu'on est un peu limité sur ce qui va pouvoir être mis en place pour Sky. On fait le maximum, mais je suis extrêmement pessimiste sur la tête. Je répète aussi qu'il pèse 80 kg et que le problème n'est pas le même avec un chien qui fait 10 kg qu'un chien qui fait 80 kg qui n'arrive plus à se tenir sur ses pattes. Je peux dire qu'il rampe la nuit pour aller faire caca dans la cour puisqu'il a accès à toute la cour, mais avec d'énormes difficultés. Et là, c'est compliqué. Okay. Voilà ce qu'on peut dire pour notre Sky. D'accord. Et est-ce que vous avez besoin de matériel que les gens vous donnent, des choses, des couvertures? Alors, aux Humidimètres, nous sommes de grands, grands récupérateurs. Suivant la formule GEN, ôte-moi d'un doute, ça peut toujours servir, pour lesquels je suis extrêmement connu. Mais il est vrai qu'on récupère des couvertures, des serviettes éponges. Là, on vient d'en rentrer un petit tas, parce que justement, avec la piscine, il faut sécher ces demoiselles et notre ami Sky. En ce moment, pleine période de chatons, donc des boîtes pour les chatons, évidemment. Et puis voilà. Écoutez, je vous remercie. Mais je vous en prie. Voilà pour ce reportage assez poignant, hein, de ce chien Sky du côté donc du refuge donc des Amis des Bêtes à Aix-les-Bains en Savoie, hein, donc ce chien qui est atteint donc d'une maladie d'articulation. Voilà, merci beaucoup à Edelweiss et à Alain Molo donc pour ce reportage réalisé donc en Savoie. Allez, on continue dans cette émission 19h13. Bonne soirée si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Facebook et sur YouTube. On vous emmène à travers nos pays de Savoie découvrir justement les habitants, les rencontres et puis également le savoir-faire et les personnes également qui se mobilisent donc durant toute l'année à travers nos montagnes. On va continuer avec cette fois-ci un nouveau reportage tourné il y a quelques jours par notre cher Alain Molo ce soir, un beau château du Moyen-Âge. Je vous propose de découvrir, direction le château de Miolan à Saint-Pierre d'Albigny. C'est donc en Savoie. Vous allez voir dans ce reportage, justement avec les décorations d'Halloween. Hein, Halloween, qu'on a fait Halloween il y a tout juste deux jours. Ben justement, Alain Molo est allé au château. C'était lundi. Voici donc ce reportage, une belle visite à travers ce château donc de Miolan à Saint-Pierre d'Albigny, direction la Savoie avec Alain Molo. Thank you.
In his eye, but for thumbs that I cry, Johnny, a holly new year. With your rings and drums and guns and drums, I woo, with your rings and guns and drums and guns, I woo, I woo, with your rings and guns and drums and drums, the enemy never slew, yeah. Oh, darling, be you look so queer. Down.
Oh, blow the man down, dirties, blow the man down. Give me some time to blow the man down. Merci beaucoup Alain Molot pour ce reportage de ce très beau château tourné lundi. Voilà une belle balade que je vous conseille absolument. Allez, bonne soirée à vous tous, 19h23 en ce mercredi, la quotidienne de la place du village. On parle également de ce qui se passe dans vos villes et dans vos villages avec quelques événements à ne pas manquer en Savoie-Mont-Blanc. Allez, regardez l'agenda de quelques idées sorties. Eh ben, n'oubliez pas le salon du bien-être et de l'habitat sain, ça sera à partir du 12 novembre prochain, c'est la deuxième édition, ça dure deux jours, le 12 et 13 novembre. Du côté de Chambéry, le centre de congrès du Manège, au 331 rue de la République, donc avec des ouvertures de 10h à 19h le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Donc c'est la deuxième fois que ce salon a lieu donc du côté de Chambéry, c'est en Savoie. On continue avec un beau spectacle à ne pas manquer, c'est le spectacle Magevab du côté donc de Megève. Ça sera le samedi 5 et le dimanche 6 novembre du côté de Megève. Un très beau spectacle avec l'orchestre d'harmonie de Megève sera donc présent donc pour ces deux jours. Donc n'hésitez pas à aller voir ce beau spectacle. Donc Philippe de Paris sera sur place justement pour un reportage qui sera à retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc de la place du village pour donc ce spectacle de Magevab donc durant le week-end prochain. On continue aussi avec un gros événement aussi à ne pas manquer, pour peut-être vous avez le temps d'y aller, et ben c'est l'anniversaire du pont de Saint-Gervais. Il fête ses 10 ans, ça sera ce samedi 5 novembre à partir de 14h30 avec exposition, représentation de Nathan Paulin également qui sera sur place. Donc et puis des jeux pour enfants, il y aura également initiation à l'escalade, spectacle de drone et puis saut en élastique et plein d'animations. Vous sera donc proposé. Ça sera un événement à vivre sur nos réseaux sociaux de la place du village depuis Saint-Gervais. Ça sera avec Philippe de Paris, donc pour ses 10 ans du pont de Saint-Gervais. C'est en Haute-Savoie, donc c'est ce samedi 5 novembre à partir de 14h30. Donc à retrouver dans la place du village en direct, donc samedi avec Philippe. On continue avec l'auto du football également pour ceux qui adorent les lotos. C'est la saison, c'est le football club du Haut-Rhône qui organise ce loto du football. Ça sera donc le samedi 5 novembre prochain à partir de 19h30, donc du côté de la salle des fêtes de Seyssel. C'est donc en Haute-Savoie avec de nombreux lots et de très gros lots à gagner. Donc n'oubliez pas, c'est ce samedi 5 novembre pour qui adorent les lotos. On continue, direction le département de l'Ain avec la foire de la Saint-Martin. Ça sera ce dimanche 6 novembre du côté de Belay dans le département de l'Ain avec également un marché aux puces qui vous sera donc proposé avec de nombreuses animations également donc tout au long de la journée de dimanche du côté de Belay. Les braderies également, la grande braderie du côté d'Aix-les-Bains, ça sera ce dimanche 6 novembre de 9h à 18h dans de nombreuses rues donc du côté de Aix-les-Bains. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour ceux qui sont intéressés par les braderies. Et puis également la fête de la pomme et du miel, ça c'est un bel événement, c'est organisé du côté donc d'Annecy, c'est donc ce samedi 5 novembre à Annecy sur la place Annapurna avec de nombreuses animations. Vous serez également proposé avec pourquoi pas acheter de la pomme et du bon miel 100% local. Donc c'est du côté de la fête de la pomme et du miel à Annecy, place Annapurna, donc c'est ce samedi 5 novembre 2022. Donc rendez-vous à ne pas manquer. Voilà pour ces événements en Savoie-Mont-Blanc. Et si vous en avez justement à nous faire parvenir, ben n'hésitez pas à nous envoyer la fiche de votre événement sur notre messagerie Facebook et Instagram. Quelques informations locales également, c'est ça aussi la place du village.
On vous informe un petit peu de ce qui se passe avec des informations insolites également aussi qu'on vous propose. Bah, regardez celle-ci. Eh oui, c'était Halloween sur le lac d'Annecy. Pourquoi pas? Une photo prise par Sandrine Bèche du côté du lac d'Annecy. Où, regardez, voilà, certains faisaient du paddle. Et bien habillés aux couleurs d'Halloween. C'était lundi après-midi. En plus, il faisait plutôt assez soleil hein, sur le lac d'Annecy. Voilà, donc merci beaucoup à Sandrine pour ce moment du côté du lac d'Annecy. On continue avec, parlons de neige. Même s'il n'y en a pas encore, eh ben, les pneus neige hiver sont donc obligatoires. Attention, depuis hier, mardi 1er novembre, dans l'ensemble des Alpes, sans raison de la loi montagne qui est donc entrée en vigueur depuis le 1er novembre dernier. Mais attention, bien entendu, donc l'État laisse quand même jusqu'à la fin de l'année aux Français pour s'équiper. Donc, il n'y aura pas de sanctions et d'amende sera donnée à ceux qui n'auront pas leur pneu neige ou même des chaînes et des chaussettes dans le coffre. Donc voilà, si vous n'avez pas de pneus neige, n'hésitez pas à vous procurer des chaînes ou des chaussettes de pneus pour mettre dans le coffre. Vous ne serez donc pas sanctionné. Donc n'oubliez pas vos pneus neige. Donc vous avez quand même jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir les mettre. Il y a apparemment une grosse influence. C'est les garagistes dans les pays de Savoie, car la région est donc concernée par ces pneus hiver, qui, je vous rappelle, sont obligatoires depuis le 1er novembre, ou même des chaînes. Hein, donc n'hésitez pas à vous procurer des chaînes ou des chaussettes. Voilà donc pour cette information locale. Et puis également une autre information locale, c'est les premières fermetures de col. Et oui, du côté de la Savoie pour cet hiver, notamment le col de l'Iseran est donc fermé depuis hier, le 1er novembre, même si la météo est plutôt encore assez clémente. Mais par précaution, bien entendu, la préfecture de Savoie a donc fermé le col de l'Iseran et du Galibier. Voilà donc pour ces dernières informations locales, donc surtout pour les motards hein, qui ont l'habitude d'aller faire une petite balade sur les cols. Et ben là, vous avez donc deux cols qui seront donc fermés, d'autres cols seront fermés selon la météo, selon donc le communiqué de la préfecture de la Savoie. Allez, on continue avec cette fois-ci un instant de musique. Allez, on va un petit peu faire de musique ce soir dans la place du village. Justement, on va donc aller du côté du département de l'Ain, du côté du Bugey. Exactement, on va vous interpréter à l'accordéon et au chant, bien entendu, avec Sandrine Guillou, accompagnée de Jackie. C'était il y a quelques jours du côté du Bugey avec la chanson « La montagne du Bugey ». Or, direction le département de l'Ain avec les images de Jean-Noël de Paris. Thank you.
Merci. Voilà, avec Jean-Noël de Paris du côté du Bugey. Nous étions donc dans le département de l'Ain pour ce moment donc musical, tout avec de l'accordéon. Voilà, c'est ça la place du village, c'est aussi vous faire découvrir les artistes à travers donc notre si belle région des Pays de Savoie. 18h34, on va quand même parler de quelques-unes de la presse locale à ne pas manquer donc justement à partir de demain avec le Faucigny, avec la nouvelle couverture du Faucigny, le journal libre et indépendant, le président Michel Gallo a de l'optimisme en rayon du côté du cyclisme. Donc c'est à la une donc de cette semaine du côté donc du Faucigny. Donc justement, il parle donc de la Coupe du Monde de cyclisme. Donc très très prochainement donc dans nos Pays de Savoie. Donc à retrouver dès demain avec cette une du journal donc du côté du journal Le Faucigny. Un autre journaliste également qui paraît dès demain, c'est l'Hebdo des Savoies avec deux titres cette semaine. Le journal s'intéresse à la France Service, change de visage. Donc du côté du Rumilly dans l'Albanais, puis à Aix-les-Bains, maîtriser ses dépenses énergétiques. Et oui, car actuellement, donc l'ensemble des municipalités font très attention au gaspillage d'électricité et à faire des économies. Comment faire ? Ben, un article complet justement à retrouver donc à partir de demain donc dans le journal L'Hebdo des Savoies. Et puis enfin, on va du côté de la Tarentaise avec la Tarentaise Hebdo qui paraît demain jeudi avec un article Courchevel-Méribel, justement, donc J-100 jours pour les championnats du monde de ski alpin. Et oui, dans tout juste 100 jours, donc ça sera donc ces championnats du monde de ski alpin à retrouver donc du côté de Courchevel-Méribel. Donc un article complet à retrouver donc dès demain donc dans le journal La Tarentaise Hebdo. Et puis enfin, on termine par le très beau magazine, c'est Histoire de Savoie, je vous rappelle, qui se conserve à vie, un très beau magazine avec toute l'histoire de la Savoie d'hier à aujourd'hui, avec ce dernier numéro toujours disponible chez vos marchands de journaux, avec l'équipe de Patrick Alain Bertoni, dont également la Place du Village est donc en partenariat pour ce très beau magazine, donc à retrouver donc toujours donc chez vos marchands de journaux à travers les Pays de Savoie. Voilà donc pour donc cette une de la presse locale donc en Savoie-Mont-Blanc. Allez, on continue cette émission avec la story du jour de la place du village. Vous êtes très nombreux chaque jour à nous identifier soit sur Instagram, soit sur Facebook, de vos instants dans les montagnes, en Haute-Savoie, en Savoie et même dans le département de l'Ain. Et ben justement, je vous propose de retrouver une sélection de vos stories donc faites ces deux derniers jours dans nos belles montagnes. Regardez, il y a quand même de très beaux endroits et vraiment le paysage d'automne est vraiment superbe à regarder. Ouais, quand même des courageux hein, qui montent justement les montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude. Hein. Oui, il y a quand même la neige. Voilà, donc pour ces stories, merci à vous tous hein, de participer justement à nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous identifier dans vos événements, dans les montagnes. On fera un plaisir de les reposter et également aussi de les retrouver donc dans cette rubrique donc durant cette émission de la quotidienne, je vous rappelle, tous les soirs du lundi au vendredi, donc à 19h en direct sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les reportages de la place du village. Vous êtes plus de 656 000, bientôt 657 000 même à donc nous suivre. Merci beaucoup hein, donc quand même de votre fidélité. N'oubliez pas également notre chaîne YouTube de la place du village également donc disponible. Notre compte Instagram de la place du village avec plein de reportages à retrouver sur ce compte. Le TikTok également. Et oui, le TikTok de la place du village avec des petites capsules de vidéos de moins de 10 minutes.
à retrouver sur cette chaîne. Vous êtes plus de 34 512 abonnés. Et n'oubliez pas aussi que toutes les émissions de la quotidienne sont à retrouver en replay, en intégralité, les 40 minutes d'émission sur Facebook et sur YouTube. Voilà, c'est la fin de cette émission. 19h39, vous voyez comme quoi l'émission dure à peu près 40 minutes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions de la météo à 19h50 pour ceux qui nous regardent en direct donc sur nos réseaux avec le retour donc de la pluie pour la journée donc de demain jeudi. Et puis maintenant, on va se quitter justement en musique avec toujours nos musiciens et les groupes dans les pays de Savoie. Et bien justement, on va donc retrouver le groupe Cocktail des Montagnes ce soir dans la place du village pour un beau moment de chant. C'était lors de la fête d'automne du côté d'Albertville en Savoie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour de nouvelles aventures avec votre quotidienne. Et mille merci à vous tous de votre fidélité et de votre confiance depuis tant d'années. Merci et à demain. Avis à la population, on vous présente la place du village. C'est pareil, monsieur de Paris, je te dis que ça soigne des pieds à la tête. Oui. Même des paysans aujourd'hui, ils sont à l'école, ils leur disent même plus qu'il faut traire des vaches. C'est catastrophique, où c'est qu'on va? Et la liberté, la liberté.